B1. Tu trouves le plus petit. Parfaitement parfait. Pareil, sous celui-là, et sous la barrière de celui-là.
Très bien. Première partie. Ici. Après, je m'occupe de l'autre côté. Voilà. Magnifique, c'est là. D'un seul coup. Le canon avec la base ici. Carré. Dans ce trou. Voilà. Donc ici, ici, ici. Je vais juste glisser, poser dessus, glisser. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Deuxième partie, pareil pour la deuxième face. C'est bon, terminé pour le autocollant sur les deux coques, demi-coques. Il y a l'arrière ici avec des autocollants aussi. Donc, autocollant 15, qui est 15. Le 5, c'est le 3. Le 9, c'est le 4. Et le 13, 15, c'est le 13. Je maintiens avec le pouce pour qu'il ne se balade pas. C'est fait. Cinquante-sept est égal à 59. Pareil, on va faire glisser le pont, poser le pont dessus, glisser. C'est bon l'endroit. Après, il y a l'arrière vers le bas, autocollant doré. Vers le bas. Voilà. Ça va tout seul.
coup c'est bon, partie 11. Donc on passe derrière qui est en noir et blanc. Donc 12. 12. Le petit bout, c'est bon. 16, c'est ça. 5. Le 14, par contre, le 48, par contre, je sais pas. Donc, 48, c'est 50. Bon, juste poser. C'est tout. Le support pour faire tenir. On va couper du coup le support. Tenir simple et efficace, génial, tout simplement génial. Le pont devant ici. Je peux aller jusqu'au fond, au fond, parce que il n'y a plus l'autre bouton qui est coincé. J'avais même pas fait gaffe. Là, c'est bon. Ici. Donc, l'escalier qui est blanc à l'intérieur et qui devient jaune. Ça va rester ouvert comme ça. Il sera caché par les barrières ici. Donc 44 44 44. Donc, pas d'erreur comme d'habitude pour les autocollants. 44 ici. Donc, les duplos de la cabine, j'arrive pas à tenir.
D'accord. Voici l'original sur le schéma et l'original sur la pièce montée par moi. Voilà. C'est bon. Oh, là. Comme ça. Mais ça va vite fait du coup le dernier. Ok, c'est bien, un petit voile. Ah d'accord, sur les côtés ici il est légèrement plus long, l'extrémité là il est plus long que la planche ici, alors ici c'est plat, pareil ici c'est plus long, ça dépasse. Alors ici, c'est égalité entre ici et celui-là. Donc, celui-là, devant. Donc, le sens de devant. Je me suis trompé à chaque fois, donc, c'est ça. Donc, ok. Je me suis trompé, donc, du coup. Ouais, c'est ça. Putain, pendant tout ce temps, je me suis bourré. Normalement ça devrait être bon, je pense. Ouais, c'est bon. Donc voilà, j'ai pas regardé les numéros en fait, comme j'ai déjà découpé, du coup j'ai pas de numéro. Donc attention pour la cabine sur les deux côtés. Là la petite bande en bas, il dépasse légèrement, ça sort, alors qu'ici c'est tout droit, ça ne dépasse pas, ici il ne sort pas, c'est tout plat. Donc celui qui dépasse la bande ici, dépasse ici, c'est à mettre devant là où il y a la porte. L'autre côté pareil, ça dépasse, on met devant sur le côté porte, c'est à dire porte là. Là, alors que derrière tout plat et il n'y a pas de porte. Voilà, et là ça rentre tout seul. Voilà, tchou, nom de Dieu, les petits détails que j'avais pas fait attention, parce que comme j'ai déjà découpé, détaché les pièces, j'ai plus les numéros en face, donc je sais plus c'est laquelle. Voilà, problème résolu.